On est Guillaume Lafrance, joueur du Racing Besançon. Après le derby contre le BFC qui s'est soldé par un match nul, un but partout. Une rencontre qui a eu du mal à s'emballer, mais tout s'est joué en fait en seconde période. Ouais, c'est sûr, on sentait que c'était un derby qui avait de l'enjeu sur ce match. Donc forcément, on a été un peu timide sur le début, que ce soit nous, que ce soit eux. Donc on a mis un peu de temps à se mettre dedans. Il y avait le terrain aussi qui n'était pas facile, il y a des conditions pas faciles pour jouer et on a essayé de faire au mieux. C'est sûr qu'en deuxième mi-temps, on était un petit peu mieux, on a joué au ballon. On s'est créé ces occasions là-dessus, mais ça ne suffit pas au final, on n'a pas réussi à pouvoir faire la différence. Oui, un petit peu logique entre deux équipes qui sont en bas de tableau. Forcément, il y a un manque de confiance, de réussite, tout est lié. Oui, ça se ressent sur des erreurs techniques individuelles. Mais bon, faut pas lâcher, c'est justement dans ces moments-là qu'il faut être solidaire, faut être ensemble et je pense qu'on est sur la bonne voie. En tout cas, on perd plus, c'est déjà une bonne chose. Il faut continuer comme ça. Oui, puis il y a un match qui arrive aussi face à Noisy-le-Sec ce samedi déjà. Donc il va falloir recharger les batteries et puis engranger 3 points. Ouais, bah là ça y est, on est déjà la tête à samedi, il va falloir se remettre tout de suite dedans, bien récupérer pour être prêt et puis bien retravailler pour être prêt samedi. On sait que ça va pas être facile physiquement. On n'a que 2 jours pour récupérer, donc on va tout mettre en œuvre pour être prêt et espérer ramener enfin la victoire. On l'espère en tout cas. Merci. Merci. On est avec Mathieu Jégou, l'attaquant du BFC, après ce match nul dans le derby bisontin contre le Racing Besançon. Un match qui a eu du mal à s'emballer, un petit peu logique entre deux équipes, hein, en manque de confiance forcément. Oui, c'est clair. On a eu du mal à rentrer l'un et l'autre dans le match. Après, ça s'est beaucoup joué au milieu de terrain avec des duels. Le terrain était un peu difficile pour jouer aussi, donc ça s'y prête pas forcément. Après, je pense que on a mis de l'engagement, mais c'est reste correct. Donc voilà, c'était une bonne partie des deux côtés, je pense. Le nul est mérité à mon sens. Donc voilà, il y a eu des occasions de chaque côté. Donc voilà, on ne perd pas, les deux clubs bisontins ne perdent pas. Même si nous, on aurait préféré le BFC gagner, c'est quand même une bonne chose. Et puis on va essayer de continuer notre marche en avant. On reste sur quelques matchs sans défaite, sans voilà, invaincu. Donc on va essayer de continuer comme ça. Il est vrai que celui-là n'arrange en fait personne, quoi, aucune des deux équipes. Oui, c'est sûr que ça n'arrange ni l'une des équipes. Mais bon, après, c'est un point qui reste important. Voilà, fallait surtout ne pas perdre ce match, parce que ça nous aurait mis à 6,2. Donc ça aurait été un peu compliqué pour la suite. Donc bon, on reste à 3 points en ligne de mire du Racing. Donc maintenant, à nous d'enchaîner sur des victoires pour espérer un peu remonter au classement. Bon, j'espère en tout cas. Merci Mathieu. Merci.